Salut tout le monde. Je vois qu'il y a déjà du monde. Salut bah, Yonker, Goose, Tréghi, Ugla, Congino et Lasniok, Et M. Grand, N'allez-vous tu bien Ah ouais, la pub encore, mais je... C'est un sujet à part entière, il va falloir qu'on se réunisse. Là, je pense qu'il y a eu des changements, parce qu'on est plusieurs là dans la... La petite communauté de, de petits Twitchers que nous sommes à se plaindre d'un changement qui a eu lieu et on se retrouve avec des gens qui se prennent plus de pubs que ce qu'on s'attendait au vu des réglages qu'on est censé avoir mis. Et puis avec un peu de luminosité ici, j'ai la double face. Je sais pas si je peux contrer ça. On va essayer. C'est pas dit que j'y arrive. À moins de me cramer la gueule avec le spot ici. Comment allez-vous? Dans ce début de semaine. Hop. Ouais, il va falloir que je l'envoie fort là. Hop. Euh, on arrive à quelque chose, moi je bronze là avec le projecteur, hein, mais si j'y vais vraiment à fond, ouais, c'est pas top quand même, hein. si ça se met à briller. On va dire comme ça. Tu t'amuses avec Docker, Grafana, InfluxDB de télégraphe depuis ce matin. Alors pour ce qui est de ranger ma chambre, euh, non. <laughs> en plus j'aimerais bien. Puis c'est pas que mon bordel en fait. Hein. Là vous voyez essentiellement le bordel des autres mais... Euh... Ah, ça bosse, il y en a qui prépare Sonitech, alors on s'y verra pas, c'était pas le bon timing pour moi. Salut monsieur Olivier. On va essayer de vous faire une petite émission. Hop. Et bien sûr, et en plus on a la mi du aujourd'hui. Tac. Non, il n'y a pas de réponse au teasing, je vais juste en rajouter une couche puisque Olivier il achète rien non plus. On va dire que ça concerne effectivement un, un changement euh, professionnel. Et puis vous pouvez jouer au, au jeu concours. Euh. La couleur du logo est importante. Il y en a qui savent déjà un peu la couleur. Allez, on va essayer de se faire une petite émission. Euh... <coughs> ah bah tiens, <coughs> commencez par tousser. Euh, ah ben voilà, voilà, monsieur, monsieur prépare le live et fait des, des changements de Switch juste avant. <laughs> Moi tu vois, je fais pas de changement et des fois ça rame quand même, c'est encore plus rigolo. Euh, alors, d'ailleurs j'ai pas vu arriver, mais merci euh, à Bbox qui m'a rappelé un lien qui, que j'avais reçu, qu'il avait reçu, que Kongduino avait reçu, et bah, voilà, t'arrives bien. Euh, au sujet d'une petite actualité dont on va forcément causer Je ne sais pas dans quel ordre je vous le fais aujourd'hui Non, je ne vais pas vous la faire dans cet ordre là Donc je vous ai rappelé le Discord, si vous voulez venir discuter avec nous Vous êtes les bienvenus Et je vais commencer tout de suite ah, Il est trop petit ce streamlet, il va me falloir un plus grand euh, Je voulais vous partager, hop, je vais vous mettre ici euh, le lien un compte Twitter euh, que je trouve intéressant parce que euh, ça tourne autour de pas mal de, de maths et euh, d'algorithmiques. Euh, alors, euh, il explique que c'est pour des pages web interactives, mais en fait, c'est bien au-delà. Moi, c'est pour le côté euh, usage dans... Je vais m'enlever le casque, j'ai pas besoin de... Je vous entends pas. Si encore je vous entendais, ce serait le bordel. Euh, dans le cadre de jeux, euh, des des algos de Pathfinding, de la gestion d'Hexagone notamment, j'aimerais bien me refrotter à la gestion d'Hexagone et, et voir si j'arrive à, à avoir une petite idée qui dure, depuis, qui dure plus d'une semaine, hein, parce que vous connaissez la durée de vie des projets chez moi, c'est-à-dire très longue avec peu de développement. Euh, et j'ai trouvé qu'il y avait plein 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 d'explications super intéressantes, sur la, il y a de la génération de, de cartes, du MapGen, c'est vraiment... Euh, il, y a, il y a plein de trucs super sympas, donc... Euh, je vous invite à, à aller le, le suivre et je pense qu'on en rediscutera quand j'aurai creusé un des sujets parce que, parce que je trouve que c'est super bien fait. Et puis accessoirement, euh, entre ces retweets et puis les discussions, il euh, y a beaucoup beaucoup de choses. Pub écran noir, superbe. Écoute dis-nous, on va attendre deux secondes que tu euh, reviennes parmi nous. <laughs> tu veux dire que je retourne juste Voilà, tac Ouais je vous fais juste... Oui j'ai pas j'ai pas creusé ce qui, ce qui avait fait ça là euh, une brique Lego euh, avec un, un petit bout de je peux pas zoomer Ah si j'étais pas au bon endroit voilà. avec un comme un petit écran on voit un petit écran interactif je trouve ça super rigolo Enfin bref donc je vous conseille ce compte pour plein de bonnes raisons parce que je trouve qu'il fournit beaucoup d'infos et euh, voilà c'était on va essayer de faire ça quand j'arrive pas à trouver une ressource. Ouais, c'est un petit OLED qui est dedans. Si j'arrive pas à vous trouver des ressources euh, sur Twitch, on va faire aussi avec, avec Twitter. Donc là, vous voyez, par exemple, le, le Game Maker's Toolkit, un hein, platform Toolkit, que j'ai pas encore essayé hein, pour info. D'ailleurs, en même temps, je risque d'oublier, je vais me le mettre dans un signet. J'irai, j'irai voir, ça a l'air rigolo. Hein. Ça fait bien partie des trucs qui, euh, qui pourraient atterrir euh, dans l'émission. Euh... La seconde chose, donc ce que je disais, c'est le lien qu'on avait tous reçu plus ou moins en même temps et que j'ai complètement zappé, mais je pense que c'était même pas la semaine dernière, je pense que c'était il y a 15 jours. En fond sonore, vous devez entendre la mascotte qui ronfle en plus. Et il s'agit, voilà. Alors je balance un lien qui est pas le bon, visiblement. Ouais. C'est un Discord. Moi qui est sympa ce Discord, hein. vous pouvez y aller aussi si vous voulez. Euh, C'est pas du tout celui-là. Génial. Génial, génial. Ah, oh, une carmousse de Stream Deck. Il y a longtemps que c'était pas arrivé, quand même. Je vais aller récupérer le lien, je l'avais tout à l'heure. Donc, merci b pour le rappel. Hop, euh, je vais le copier tout de suite. Je sais pourquoi ça m'a pas copié tout à l'heure Ah, j'ai copié le lien du message. <laughs> Au lieu de copier le lien lui-même. Donc, bah, ce que je vous ai mis, c'est le lien sur le Discord de, de, de Calme dans lequel b me rappelle à l'ordre. Tac Et je vais pouvoir. Je me le note en même temps, hein. on fait comme chez moi. Euh, je note en même temps le lien pour le mettre, pour ceux qui le verront en replay, pour que j'ai la bonne référence. Voilà. Hop Et on retourne. Au partage d'écran. Et ce coup-ci, c'est la bonne. Tac. Voilà, j'ai vérifié que ma touche marche. Voilà, vous avez tout ce qu'il faut. Euh, donc là, il s'agit d'un simulateur. J'ai absolument pas creusé, mais je me rappelle que quand j'avais vu la news, euh, c'était un simulateur qui pouvait marcher pour plein de, de, de cartes, hein, pas que la Pico. Euh, mais visiblement, euh, c'est une simulation qu'on peut faire tourner. Hop. Et vous savez quoi Vous allez avoir droit à un truc que je vous ai pas fait depuis longtemps. Ça sonne, je réceptionne un colis, je reviens dans deux minutes. A tout de suite Accrochez-vous, ça va digresser dans tous les sens. Alors, j'en ai foutu de partout, en partant en courant. La pauvre, le pauvre routeur Laura de Chirac a volé en même temps, mais il n'a pas cassé. Alors est-ce que vous êtes bien foutu de ma gueule en même temps Parce que moi, c'est ce que j'aurais fait. Bon, il y en a qui ont été sympas, qui ont monté pour les briques Lego, les écrans OLED, nickel. Non, je vais pas vous faire un unboxing malheureusement. Si, si je me suis permis d'interrompre. Bah, je vais vous faire la totale. On va digresser, puis on va, comme ça on débordera tranquille. Hop Alors. Puis on viendra à la simu juste après. Euh, où est-ce que ça s'allume? Tac. Donc, comme vous le savez. On oh, taquiner, ça est resté cool. Hein. Je fais de la musique. Du moins j'essaye. Et donc, voilà il y a ce joli petit pédalier euh, d'effet pour la basse qui est arrivé euh, de chez Line 6 c'est quelque chose que je cherchais depuis un petit moment si vous voulez tout savoir c'est pour euh, alors déjà pour avoir une meilleure maîtrise de mon son quand on part sur scène et d'avoir des choses un petit peu plus euh, un petit peu plus avancées euh, mais surtout euh, de pouvoir quand même avoir un peu de variation de son même si euh, je ne suis pas un grand fan de basse trop travaillée J'aime bien une, une basse qui a un son d'abord euh, pas, pas trop trafiqué, mais surtout qui est, qui est régulier sur tous les morceaux. Mais n'empêche, les morceaux, c'est pas régulier, les morceaux de musique, et euh, notamment comme on est juste euh, batterie-basse-guitare, euh, certains passages nécessitent que je reprenne un peu le dessus par rapport à la guitare, d'autres c'est l'inverse. Donc des variations de volume et un peu d'intensité, euh, c'est ce que ça va me permettre. Et donc, euh, Ouais, bah le besoin de pédale, on n'a on a jamais besoin, c'est une question de goût déjà. Alors attends, je me rends compte que... Ah, elle est bien bonne celle-là, je vais faire un hello de seconde, hop, voilà. Donc le message de B-Box qui dit j'en suis pas au niveau d'avoir besoin de pédale, une fois de plus le mot pédale chez ces abrutis de chez Twitch est donc considéré comme une insulte, et donc tu peux pas utiliser le mot, génial. Ça se retrouve dans ma modération, donc je voulais pousser, n'importe quoi. Donc j'ai euh, cette pédale d'effet. Euh, j'en suis très content, j'ai commencé à l'utiliser un petit peu, hein. j'en suis, euh, suis à quelques jours seulement d'utilisation. Il faut que je, je bosse le son et je, surtout que je maîtrise un petit peu l'usage pour passer d'un truc à l'autre dans les situations live aussi, tout ça. Et euh, les live Tour de France, bien sûr. Et je mettrai des sons aussi euh, pour aider à l'amplification du ukulélé, les pas pour mettre des effets, mais euh, c'est bien d'avoir un peu de compression et des trucs comme ça des fois. Euh, et donc, euh, bah, j'ai certes ça, mais. Euh, ça faisait un moment où j'ai ma basse, elle a des, un étui plutôt bien foutu avec des grandes poches, mais c'est un merdier dans ses poches après. Et pour tout ce qui est, ben, juste ne serait-ce que la cordeur, quelques câbles, j'ai un, un système sans fil de chez Line 6 aussi. Euh, ça fait vite un espèce de sac pas très propre qui charge un peu. Donc je voulais m'acheter tant qu'à faire une sacoche en même temps, et c'est donc cette sacoche qui devait... Euh, arrivé aujourd'hui et je me suis dépêché en me disant euh, si jamais il repart vu le type de livraison euh, je le revois pas avant trois quatre jours et j'ai bientôt ma répète donc c'est con euh, et mais euh, bah, j'ai couru comme un âne <laughs> et en fait je suis tombé sur le livreur le plus lent de France et quand il est arrivé c'était pas un colis pour moi c'était un colis pour euh, pour pour mon voisin euh, avec qui je m'entends bien celui-là et euh, qui qui euh, qui de temps en temps quand il livre et qu'il est pas là ça atterrit chez moi et inversement on, on essaie de quand on peut de de récupérer le colis de l'autre. Donc voilà, j'ai récupéré un colis en plus un colis AliExpress mais c'était pas pour moi. Fin de cette énorme parenthèse de je sais pas 5 minutes. Donc désolé pour l'interruption mais euh, je, je la raccourcirai dans le replay. Et j'ai sauté sur le colis à pied joint, ouais, pas, ouais. pas loin Pas loin, pas <laughs> loin. Non, c'est pas celui là de voisin. <laughs> Et donc euh, on va essayer de reprendre là où j'en étais. Euh, J'ai vu que vous aviez euh, hop, à juste titre, donc là je vous avais mis le lien tac, qui est sur la version Pico. Hop. Et si on fait un new project, on a le choix. Voilà. Je vais zoomer parce que vous n'allez pas voir sinon. Voilà, ça commence à être lisible. Donc on peut euh, lancer des environnements de simulation pour ces cartes présentes là. J'en ai essayé strictement aucune, hein, j'ai bien fait mon travail. Euh, par contre, on peut regarder, euh, euh, je ne sais rien, tiens, circuit de Python, Raspberry Pipico, très bien. Euh, ici, on voit qu'on a les numéros des ports, on peut en faire quelque chose ou pas Ouais. Ok, Et là j'ai un plus. Voilà. Ouais. Et donc, on peut rajouter euh, un certain nombre de composants qu'on va pouvoir, j'imagine, utiliser ensuite. Ah, c'est cool ça. Ouais, je l'avais pas utilisé. Vraiment, sans déconner, merci B-Box parce que bah, j'avais zappé, hein, tout simplement. Tac. On va le raccorder. On va rajouter, même si j'aime bien tout faire cramer, une résistance. Hop. Est-ce que ça arrive à faire le lien Non. Je clique dessus d'abord. Voilà. On clique une première fois, puis on fait le lien. Ok. Euh, alors, voilà. Et puis, si je fais ça... Ouais. On va dire que la, la circuiterie... Euh, putain, ouais, c'est un peu... Euh, rock and Est-ce que je peux simplifier ce qu'il a envoyé là Non, à chaque fois il me le reprend. Ah si, si je le sélectionne... Voilà, on peut faire un truc peut-être un peu plus propre quand même. Est-ce qu'il va reconnaître le chemin plus... Voilà. Tac. Hop, on va monter, faire à peu près ça. Voilà, peu importe. Tac. Et euh... voilà c'est celui-là. Tac. Et on peut mettre des couleurs sur les fils aussi. Ah mais bah, génial Ah bah voilà, cool Génial Génial On peut faire des trucs comme ça Ah ouais c'est sympa ne serait-ce que pour faire des schémas, il y, y en a d'autres des outils, mais euh, ça peut être mignon. Et est-ce qu'il y a de l'aide Alors c'est quoi le diagramme.json Ah d'accord. Et après on a la version texte de ce qui est affiché de ce côté-là. Ah c'est pas con ça. Comme ça on peut se backuper ça euh, même en version texte dans un git ou un truc comme ça. Ah c'est sympa ça. Euh, je sais pas s'il y a de l'aide par contre, est-ce qu'il y a de l'autocomplétion, des trucs comme ça non, alors ça par contre c'est dommage parce que je vous ferai pas la... Je, je serai pas prétentieux au point de dire je me rappelle euh, euh, comment, euh, comment on crée une LED Bon ça on va faire comme ça euh, hop, circuit piton. Oui, il y a de l'aide. Connaître les API de tête, c'est bon pour les jeunes. Ouais, grave, grave. C'est Digital, digital en circuit de Python, c'est là où j'ai un doute en fait. C'est pas le setup là que je veux. Ah mais c'est des... des LED. D'accord. Je veux un truc basique. Simple. Basique. Alors moi je vais écouter euh, ce que dit euh, notre ami euh, BBox. On va faire. Un... Je crois que c'était machine, mais peut-être que c'est digital .io. Ça, ça me surprend. J'aurais dit que c'était en micro Python, pas en circuit de Python. Ah si, il y a les deux. Ah, il y a une porte board. C'est moi qui mélange machine, c'est <laughs> en machine, c'est en micro Python. Ok. Donc ce genre de... Euh, on va faire ce genre de blague, on verra ce que ça donne, on va l'adapter. Tac. Euh, donc c'est pas du tout la board LED, c'est la board GPIO C14 que j'ai utilisé, c'est ça. Non pas du tout. Là ça va de mieux en mieux moi. Alors c'est 5 ou euh, 05. Voilà, et on l'allume. Est-ce que ça marche Pas du tout. Code erreur. Pas GPIO05, peut-être juste GPIO5. La board elle contient pas, alors c'est dans Digital IO alors GP5 C'est moi qui suis trop gourmand à vouloir des normalisations qui permettent d'avoir un truc lisible. Ben, mais n'importe quoi, GP1, c'est parce que j'ai GPI, j'ai GPI depuis tout à l'heure, le GP, comme ça c'est parfait. Bienvenue dans mon monde, pas du tout fatigué. Voilà, t'inquiète pas, BioX, voilà, ça s'allume hein. Donc après... Euh, ben, comme, comme vous avez dans, dans ce genre de... De tutos, ça veut dire que les tutos, on peut même les faire sans, euh, sans matériel en fait. Ça c'est vraiment... Euh, ouais ouais, je l'avais pas essayé, mais... Euh, bon, si je fais... Euh... Ah, par contre, bien évidemment... Le max se met à ramouser un peu, sinon c'est pas drôle. Je vais vous faire un petit coup de ventilation max, tant pis. Hop, on va faire un time... Sleep de 0.5. Hop. Ça lag dans ce que je tape, mais ça n'a rien à voir, c'est juste... Voilà. Tac. Non la frappe est pas rapide parce que ça, ça rame. Mais bon, je sais encore faire un blink, ça va, on n'est pas perdu. Donc voilà, moi je trouve que c'est sympa parce que ça veut dire... Euh, alors, euh, vous pouvez faire de l'initiation sans que les... J'allais dire les enfants, mais pas du tout, hein, enfants, débutants ou personnes curieuses, peu importe. Toute personne qui a envie d'apprendre. Vous pouvez euh, faire des exercices avec eux avec ce type de choses. Le gros gros intérêt... Alors il y a deux gros intérêts, il n'a pas besoin de matériel, ça c'est bien. Pour débuter, on n'a pas eu le temps d'acheter, on sait pas ce qu'on va acheter, et surtout, vous pouvez, je pense, depuis un, un repos Git leur indiquer ce fichier là que vous sauvegardez. Vous avez le montage exactement tel que vous le voulez. Donc, soit eux ça les intéresse de faire le montage, ils le font, soit ça les intéresse pas, ils reprennent ça, et vous leur fournissez le code, et vous avez un truc qui permet de faire d'initiation, mais direct. Deuxième gros avantage, c'est que vous pouvez présenter avec ça, euh, et c'est beaucoup plus facile. Euh, euh, si vous voulez montrer ça sur un écran, après faut vite mettre une caméra qui va zoomer sur votre matériel. On voit pas toujours la LED qui clignote, des choses comme ça. Euh, bah T'as bien fait de me le signaler. Salut Prax, bienvenue. T'as bien fait de me le signaler, euh, Bibox, parce que euh, parce que je vais creuser. Euh, je, je trouve que l'idée est très très bonne. Euh, après, je sais pas exactement jusqu'où on peut aller, mais euh, je vois qu'il y a quand même pas mal de de composants voire des composants que je pas forcément dans certains cas donc ça peut être l'occasion de, de tester les API de regarder un peu c'est cool ça je trouve ça très cool et si je reviens à WoWiki c'est pas grave leave page ah bah oui la, la page oui elle est quand même plus propre que le plus que j'ai fait tout à l'heure on a les petits symboles et par contre en Arduino ça donne quoi alors Ah ben bah, c'est carrément le ok donc on peut aussi en Arduino euh... Ils ont euh, visiblement ce qu'il faut pour. Euh, ils doivent compiler derrière dans leur, leur système. Library Manager. On peut rajouter les fichiers. C'est cool ça. Je regarderai. Je regarderai alors que la pluie arrive ici. Donc. Euh, J'irai peut-être fermer une fenêtre si ça veut bien tomber. Mais non, c'est pas mal. Et pour une fois, c'est presque triste, Vbox, mais on ne dépense rien. C'est une émission calme où on vous suggère un truc qui ne coûte pas d'argent. Misère! <laughs> Alors, les fenêtres ont l'air fermées, sauf si jamais euh, ça devient assourdissant, ce qui serait euh, bien entendu rigolo. Alors, et eh ben c'était euh, le lien que je vous ai donné tout à l'heure. Euh, bah, comme on en a causé un grand manche, je vous le remets quand même. Euh, voilà, pour ceux qui voudraient. Et euh, hop, je voulais vous partager mon petit bonheur euh, récent là. Tac, je vous mets le lien aussi. Il s'agit de... Alors je vais zoomer. Asset Forge, euh, qui, euh, qui est un logiciel qui euh, n'est pas spécialement open source en l'occurrence, qui n'est pas gratuit, peu importe. Euh, et je l'ai acheté. Et je l'ai acheté. Euh, vous allez voir à quoi ça sert. C'est pour créer des euh, assets pour des jeux vidéo, que ce soit du, du, du sprite 2D ou de la 3D. Euh, C'est quand même bien accès 3D, mais apparemment on peut s'en servir pour euh, générer un modèle qui va après euh, faire la, la version 2D. Euh, un outil tout simple, et si je l'ai acheté, c'est euh, dans le cadre, pour la même raison que j'avais acheté des assets l'autre fois, c'est chez Kenei. Euh, Est-ce qu'il met son nom à la fin Voilà, kenney Que vous connaissez sûrement si vous avez... Euh, alors, tac, euh, je suis à peu près sûr que si je vous montre ça, ça va vous parler des planches comme ça, voilà. Euh, C'est quelqu'un qui crée des, euh, des ressources graphiques, des sprite sheets, des modèles, des petits modèles 3D simples ou même complexes, enfin des choses comme ça. Euh, on peut acheter ses assets, mais il en a toujours, toujours fourni gratuit et vous en retrouverez dans beaucoup de tutos. Ceux qui ont suivi les tutos par exemple à une époque de PhaserJS que j'avais fait en, en vidéo à une époque, un petit framework JavaScript pour faire des petits jeux vidéo sympas, euh, les exemples euh, avec un alien, une sous tout ça, ce sont des, des sprites gratuits fournis par, par Kenney. Et donc bah, j'avais acheté le, le game assets All in One parce que j'étais pas très cher et que je trouvais qu'après tous les usages que j'en avais fait, même avec les enfants, avec Mixtine, je trouvais normal de, de trouver un moyen de le financer. Et là, bah, c'est un autre moyen de le financer aussi au passage et de m'amuser avec, euh, parce que vous allez voir, le, le, le logiciel est vraiment sympa. Euh, ça, cette tête-là, voilà, je la grandis un peu. Bon, de toute façon, pour ce que je vais faire avec vous, ça, vous avez de quoi voir de toute façon. Euh, c'est un éditeur de blocs de ressources qu'il fournit, qui sont, qui s'assemblent, euh, qui permettent de, oui, on peut placer des blocs comme ça, euh, qui permettent de créer de vos propres assets. Après, à partir de là. Donc là, ce que vous voyez là, c'était, j'étais en train de m'amuser. Euh... Alors oui, je crois qu'il y a un export en, en STL pour les imprimer. C'est pas c'est pas une idée bête du tout. Euh, alors, on peut exporter comme un sprite, comme un modèle et voilà, en modèle, voilà, vous avez ces formats, le classique OBJ, du FBX, du DAE, du GLTF et du STL. Donc oui, on peut modéliser et euh, exporter. C'est pas bête ça. Je vais peut-être me faire des petites figurines ou des petits trucs sympas. Euh, donc là, hop hop, c'était le une modélisation de train. La doc, euh, ben, il faut pas faire comme moi, il faut quand même la lire parce qu'elle est pas très grosse et pas forcément super limpide, il n'y a pas vraiment de tuto clair et net. Par contre il fait des vidéos, c'est ça aussi que je voulais vous partager, parce que comme ça vous aurez toutes les ressources que j'ai utilisées. Tac euh, et donc, voilà, euh, bon, il y en a plusieurs, hein. euh, il se trouve que celle-ci, hop, voilà. Il s'agit de... Il montre étape par étape en fait euh, la, la construction du modèle euh, que vous avez sous les yeux. Alors, tac, je vais revenir un peu en arrière, puisque voilà, j'en étais par là. Donc vous voyez j'en étais à peu près cette étape, on voit qu'il va rajouter un bloc, mais ce qui est intéressant c'est que dans la description de la vidéo, que vous n'allez pas bien voir, mais bon, vous allez me croire sur parole si, si je fais comme ça ça passe. Euh, il indique, ici ce sont les noms des, des éléments qui sont rajoutés euh, petit à petit. Et j'en étais je pense au Steam Engine Front Detail, je pense. Hein. Donc euh, vous pouvez vous amuser à suivre comme ça. Euh... Et j'ai déjà oublié ce que j'avais dit qu'on regardait le Steam Engine Engine, euh, Steam Engine Front Detail. Tac. Donc vous voyez, j'ai le même bloc. Vous voyez le bloc qu'il a. Alors là, il l'a tourné. Hein. Il, il montre pas tout en fait. il hein. Faudra que je lui demande comment il le réalise. Euh, là, la pièce est déjà tournée. Il n'y a pas ce trait là quand vous éditez. Il a changé certaines couleurs, mais c'est faisable. Euh, j'ai pas encore tous les raccourcis en main mais voilà la barre d'espace pour la rotation voilà, ça doit pas être trop mal voilà euh, petite astuce que j'ai découvert tout à l'heure par défaut ici en haut alors c'est difficile de vous montrer parce que je ne peux pas zoomer l'interface malheureusement euh, vous avez un petit symbole là. alors au départ il y a 1 moi je suis descendu à 01 c'est simplement le euh, le pas le step de de déplacement des différents éléments qui vous permet d'être plus ou moins précis, voilà. Et donc vous pouvez comme ça assembler et euh, donc piocher dans ce qu'il y a. Euh, par exemple aussi vous avez euh, les matériaux. Vous pouvez utiliser ceux qui. Là il y a, il y a euh, cinq matériaux dans la liste, mais en fait il y en a quatre qui sont issus du fait que j'ai inclus des pièces. Donc il m'a mis les matériaux utilisés. Et euh, ensuite, moi j'en ai rajouté un parce que je voulais changer la couleur comme il l'avait fait dans la vidéo, je trouvais ça marrant de suivre, voilà. Vous voyez qu'on peut, on peut custom soi-même, y compris la couleur. Euh, donc voilà, on peut, on peut faire tout le déroulé. Si euh, hop, vous êtes curieux de ce qu'il y a d'autre, si je vous montre la playlist actuellement de Asset, Asset Forge, euh, il y a tous ces modèles là, donc euh, il le classe Beginner Intermediate. Euh, vous pouvez faire des mecs, des euh, spaceships, des habitations, des meubles, des choses comme ça. Euh, c'est vrai que là, ça, c'est pas très approprié parce que tant que je peux pas zoomer cette zone. Même pour moi, j'aurais ai, bien aimé avoir. Ça se trouve, il y a des, on peut lui faire des suggestions. Euh, pouvoir, euh, quand on a la souris, que ça zoome la pièce que vous êtes en train de regarder pour avoir une petite idée de ce que vous allez récupérer. Euh, mais voilà, il y a toutes ces catégories là pour faire. Voilà, si vous voulez faire des mecs. Donc il y a les épaules, le torse, les jambes, enfin tout, toutes les pièces. Vous pouvez créer... Alors il y a les primitives, c'est simplement des formes euh, géométriques. Euh, vous pouvez faire des épées. Dans les véhicules, vous allez euh, des roues, des... Euh, des cordes de, de, de véhicules, de camions, de voitures, de tas de choses. Et euh, hop, foliage. Ah, c'est des plantes. Okay. Euh, vous pouvez construire des éléments de, de ville, des choses comme ça, il y, a vraiment, euh, il y a vraiment de quoi faire et je trouve que l'idée est très très bonne. Euh, bien entendu, je ferai comme d'habitude, je m'enthousiasmerai, je ferai 4 modèles que je pas. Mais euh, honnêtement, alors ceux qui me connaissent savent que j'aime les jeux euh, basés sur de la construction. Genre euh, bah, le stream que j'ai fait dimanche sur Conan, certes c'est un jeu euh, où il y a de l'affrontement, c'est un survival et tout, mais moi ce que j'aime dans ce jeu là aussi, c'est pouvoir construire des bâtiments, des choses comme ça. Bah ben là, euh, voilà, même si j'en fais rien dans un jeu, je, je, vous connaissez ma philosophie, euh, quand c'est pas trop cher, si ça les vaut, euh, moi le temps que je vais y passer là, euh, ça vaut euh, des séances de cinéma, donc euh, on peut faire un jetpack. Alors pour faire un jetpack, mais bien sûr, regarde, si je fais un nouveau modèle, je, je, je l'avais sauvegardé avant, euh, je pense qu'en faisant un mélange de pièces, euh, euh, tac 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 tac, on va partir dans. Hop. voilà dessus on peut y rajouter euh, des pièces genre cette espèce d'armure donc il y a des, des fonctionnalités vous voyez je peux snapper euh, sur une euh, sur une face on peut tac, le figer sur des zones et de toute façon après vous zoomez et puis vous avez les différentes flèches pour ajuster euh, au mieux. Tac. Voilà, ce genre de truc. Euh, vous pouvez lui rajouter, je ne sais pas, une tête quand même, c'est pas mal. Tac, une tête, euh, une casquette, voire des cheveux. Voilà. Donc vous pouvez, euh, ouais, on peut faire, on peut imaginer un jetpack. On peut customiser, euh, créer depuis notamment Blender. Des ressources additionnelles qu'on viendra rajouter pour compléter les blocs qui ne seraient pas présents. Ce genre de choses. Voilà. On peut me descendre sur la tête, à mon avis. Hop. Voilà. Voilà, donc c'est ce, ce genre de choses. C'est un éditeur comme ça qu'il aurait fallu dans, dans Game Garage Builder. Je suis tout à fait d'accord. Ça, ça le ferait bien. Donc euh, voilà mon, mon dernier petit outil euh, amusement euh, avec la découverte aussi de Conan côté jeu. J'ai mis un switch et je finis jamais les jeux. Je m'étais relancé dans Assassin's Creed 1. Euh, J'en ai fait euh, une bonne moitié, mais je patine un peu, donc je repasse un jeu, à un autre. Le but c'est de s'amuser, pas de raison. Donc voilà euh, pour ce qui était de ce que je voulais vous montrer. Et c'est pas du tout le lien que je voulais... Voilà. C'était ce que je vous voulais vous montrer aujourd'hui. Donc voilà. On commence à l'heure, on finit pas tout à fait à l'heure, mais pas loin. Euh, c'est pas mal, non Donc ouais, ce petit euh, Asset Forge, euh, ouais, pourquoi pas faire un petit euh, un petit perso de type jetpack que j'irai animer. Euh, j'ai vu qu'on pouvait exporter bah, les formats là que vous avez vus là, ils sont euh, utilisables dans beaucoup de frameworks et d'autres outils, notamment dans Unity ou dans Godot Engine. Et je pense que pour m'amuser, j'essaierai de voir ce que ça donne d'animer un, un personnage. Je sais pas s'il a des infos de squelette dessus pour, pour faire les animations, mais euh, on peut imaginer euh, un truc dans ce genre-là. Ça doit être pas mal. Parlons décidément entre la toux et le bâillement et les interruptions d'émission, mais quel dynamisme cette chaîne, c'est fou, non donc voilà, euh, je ne sais pas si vous aviez fait vos devoirs, hein, je vous avais demandé si vous aviez des, euh, des chaînes euh, Twitch sur lesquelles on peut envoyer des raids en fin d'émission. Euh, toc, 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 je vais quand même essayer d'aller voir. Tout à l'heure, il me semble que j'ai vu une chaîne qui n'est pas d'habitude sur ce créneau horaire. C'est ça de faire l'émission à l'heure de la sieste Bah, c'est toujours l'heure de la sieste. <laughs> je vais reprendre mon casque. Si je ne l'ai pas envoyé péter tout à l'heure au nom de la livraison. Ah bah comme ça, la capture d'écran actuellement sur Twitch de, de ma chaîne, c'est pile quand je suis en train de bailler, c'est pas beau ça. Euh, nous avons nos amis classiques. J'ai l'impression qu'il y a une ou deux chaînes. Alors, ça a l'air d'être quelqu'un qui est jeune, est-ce que c'est... je sais pas, hop, je vais aller voir tout de suite. Ouais, ouais, les mecs au fond du radiateur, ça va bien. Euh... Normalement, je vous ai pas collé l'audio encore. Ouh, c'est flashy, hein. Non, oh, mais en plus, c'est pas un petit, lui, c'est 4900 followers. Je sais pas si je vous envoie là. Oui, Trafalgar Lion, je sais pas. Non, c'est pas funky. Bon, J'avais dit que j'envoyais plutôt sur des chaînes de petite taille, comme la mienne. Au moment où je clique, il a disparu. Super. Ouais, c'est pas extra. Et hein. eh ben écoute, je vais vous envoyer là. Hop, on va essayer ça. Hop. Hop. Je vais juste mettre une oreillette. Et eh bien c'est parti, je vous propose de suivre cette chaîne, euh... oui mais Cabri euh, Do It Yourself qui est une super chaîne, je la suis déjà et euh, je crois qu'il n'a pas d'émission en cours là, enfin je pense qu'il n'a pas besoin de nous euh, spécialement pour un raid, on le fera à l'occasion, je l'avais déjà fait une fois, hop, je vous propose cette chaîne là en raid, et c'est parti